pour madame. T'as tué un monstre. Tous, tous pour un. Pour l'honneur. Fils de Sacré bestiaux, c'est un peu imprudent de l'affronter seul, non? L'amour ne naît point de la sagesse, sorceleur. Alors, Guillaume, pour quelle belle damoiselle avez-vous juré d'oxyre ce monstre? La plus belle de toutes. S'il souhaite garder son nom secret, rien ne l'oblige à nous le révéler. Je ne vous connais point, messire, et vous ne semblez point chevalier. Mais je vous suis infiniment reconnaissant, et même redevable. Ce trophée est à vous, messire. Un géant si près des habitations humaines? Étrange. Ce n'était point un géant ordinaire, il s'appelait Goliath. D'après la rumeur, il était chevalier jadis, mais il aurait brisé son serment. En conséquence, la dame du lac l'aurait transformé en géant sauvage et l'aurait banni dans la colline Gorgone. Alors pourquoi est-il revenu? Plusieurs fois par an, la faim le poussait dans les plaines. Goliath avait tué et dévoré bon nombre de bergers. La chasse de Guillaume a servi une noble cause. Quoi qu'il en soit, l'endroit ne se prête guère à ce récit. Je veux bien le trophée. Quelqu'un voudra peut-être me l'acheter. Au fait, joli combat contre le géant. Vous avez déjà combattu des monstres? Non, aucun. À Toussaint, nous chassons surtout les brigands. Mais j'ai juré à l'élu de mon cœur de lui apporter la tête d'un monstre, comme le célèbre Gottfried, le tueur de géants. Vous ne comptez point chasser la bête, j'espère. Mieux vaut laisser ça à Geralt. Un autre défi m'attend. Et si Geralt doit chasser la bête, il faut qu'il sache qu'elle a de nouveau frappé. La rivière a recraché un corps. Il s'est échoué dans le méandre près du Cocatrix. Les gardes de Damien de la Tour sécurisent déjà la zone. Ils sécurisent la zone? Il vaut mieux y aller avant qu'ils ne piétinent les traces ou détruisent une preuve. En avant dans ce cas. J'irai en ville informer sa gracieuse magnificence que Geralt est arrivé. Nous nous retrouverons plus tard près de la tente de Guillaume sur la Lys. Je vous conduirai ensuite auprès de sa majesté. Courageux, Guillaume. Palmerin a supervisé son éducation. Guillaume est de sa famille.
Votre travail vous épuise, hein? C'est pour ça que vous êtes tout gris. Je ne me ferai jamais à la façon de parler des chevaliers. Surtout le fait d'alterner un langage fleuri et un registre, disons, normal. Nous sommes des chevaliers errants au service de sa gracieuse magnificence. Quand nous intervenons ou parlons en son nom, nous sommes liés par la tradition. Personne. Ils ont déjà dû emporter le corps. Jetons un coup d'œil. Ils ont peut-être oublié quelque chose. Bottes ferrées, plusieurs séries d'empreintes. Sûrement la garde ducale. Voyons où ça mène. Ils ont marché le long de la rive. Le corps est peut-être posé sur la berge. Tout ce que le courant emporte finit dans ses bas-fonds. Oui, c'est une vraie pluie. Voilà de la compagnie. L'odeur du sang les a attirés. Continuons de chercher. Vous voyez quelque chose d'intéressant? Non, hélas. Des saletés charriées par la rivière. Il faut continuer de chercher. Les gardes ont sorti ces filets de l'eau, puis ont libéré le corps mutilé. Je vais plonger. Ils ont peut-être manqué quelque chose. Initiale DLC. Un accessoire de noble à l'évidence. Je dois ratisser la rive. Du sang. Les gardes ont sorti ces filets de l'eau, puis ont libéré le corps mutilé.
Vous voyez quelque chose d'intéressant? Ensanglanté des habits de la victime. Le tissu est de bonne facture. Une victime riche, c'est ça? Il semblerait. Regardez. On a mis un bateau à l'eau ici. Les gardes ont dû charger les bouts du corps dessus pour les emporter. Il faut découvrir où. J'aimerais examiner le corps avant le début de la décomposition. L'auberge. Les clients ont dû voir les gardes et la direction qu'ils ont prise. Allons les interroger. On dirait qu'on a un spectateur. Est-ce si surprenant? Les habitants raconteront à leurs petits-enfants qu'ils se souviennent encore du jour où l'on a repêché un corps démembré dans la rivière. J'ai trouvé un mouchoir dans l'eau. Il porte le monogramme DLC. Ça vous dit quelque chose? La croix? Impossible. Est-ce lui que la bête a tué? On dirait bien. Vous le connaissiez? Il y a longtemps, oui. Nous étions des amis proches, mais nos chemins se sont écartés. C'était un homme extrême, qui ne craignait point l'adversité, et combattait ses ennemis jusqu'au bout. Et des ennemis? Il en avait beaucoup? Oui, mais je ne vois point le rapport avec la bête. Ah, Geralt, vous avez rouvert une blessure, ravivé de lointains souvenirs que je préfère oublier. Je comprends. Nous en reparlerons plus tard. Allons à la taverne. Je devrais bientôt vous laisser. Il faut que je rentre à la cour. Vous venez de rentrer à Toussaint. Un chevalier au service de son illustre majesté ne se repose jamais. En fait, je craignais de rentrer trop tard pour accomplir mon devoir. Heureusement, nous rentrons juste à temps. Quand vous aurez fini d'examiner le corps, allez vous présenter à Anarieta. Anarieta? Sa Majesté la Duchesse. Je m'oublie parfois. Nous nous appelons par nos prénoms en privé. Jamais en présence de Palmerin, cependant. Il trouve ses familiarités vulgaires. Le Cocatrix. Marchands, contrebandiers et bateliers vont s'y désaltérer. On y sert la meilleure bisque d'écrevisse de Toussaint. D'ici, sans point, c'est brave. Bien sûr que si, mais la bravoure. Je crois que vous vouliez passer le premier. Ah, faut découvrir. Genre sorceleur, quoi. Ou mage. Trésorier ducal cherche de l'aide. Joli pactole en vue. Bigre! Ne sentirais-je point une délicieuse odeur de pâté frais? Si, tout à fait, sire de Perrac-Perrant. Le temps n'a point émoussé vos sens. Joignez-vous à nous. Nous en serions honorés. Votre compagnon aussi. Pourquoi ne perçois-je point la moindre odeur de bisque d'écrevisse? Point de soupe aujourd'hui. Il n'y a point d'écrevisse. Vous l'ignorez peut-être, mais tout ce que j'ai pêché... c'est un corps. Je me suis réveillé aux aurores, comme chaque jour, et en levant les yeux, j'ai vu un ciel rouge sang. Ce corps est justement la raison de notre présence. L'homme que vous avez invité si gentiment à votre table vient de loin pour répondre à une convocation de sa gracieuse magnificence. Il est chargé de pister et de tuer la bête. Nous avons invité deux hommes à se joindre à nous, mais vu que sire de Perrac-Perrant n'a point le tempérament d'un limier, je suppose que c'est l'autre, le chasseur. À qui avons-nous donc l'honneur? Je m'appelle Geralt. Quelle humilité! Manifestement, vous ne traînez point avec sire de Perrac-Perrant depuis longtemps. Épargnez-nous les insultes. Geralt est un maître sorceleur. Il a des questions concernant la dernière victime de la bête. C'est moi,
qui ai trouvé le corps. Le soleil se levait à peine quand je me suis réveillé. Je me suis assis, et en regardant par la fenêtre, j'ai vu un ciel rouge comme le sang. Posez vos questions, Gérald. Nous y serons encore cet hiver. Il devait être très tôt. Vous êtes allé vérifier vos filets, et ensuite... Je suis sorti de ma cabane, et j'ai vu... Fichtre, venez-en au fait. Vous avez trouvé un corps pris dans vos filets à écrevisses, nous le savons déjà. Que s'est-il passé ensuite? Avez-vous vu quelqu'un à proximité? Ou remarqué quelque chose d'intéressant? Il n'y avait pas un chat, rien que moi. Et pour le reste, eh bien... Qu'avez-vous vu? Je vous préviens, si vous parlez encore du ciel rouge... J'ai vu une tête flotter, les yeux exorbités et la langue qui pendait, toute bleue. À côté, une main dérivait dans l'eau. Vous avez bien vu des morceaux du corps? Ils m'ont fichu une peur bleue. J'ai filé à toutes jambes jusqu'en ville. Puis, je suis revenu avec les gardes, qui m'ont dit de me tenir à l'écart. Ça leur a pris du temps. Les morceaux étaient tellement mêlés dans mes filets qu'ils ont dû les couper. Je dois examiner le corps. Vous savez où ils l'ont emmené? De l'autre côté de la rivière. Puis ils l'ont chargé sur un chariot et l'ont emmené dans une cave de Corvo Bianco pour le garder au frais. Comment? Corvo Bianco est le domaine du baron Rossel. Quand il apprendra qu'ils ont transformé sa cave en morgue, il lâchera les chiens contre eux. Pendant que vous vous baladiez dans le nord, son vignoble a été vendu aux enchères. La femme qui vient de partir, qui était-ce? Je ne l'avais jamais vue et je ne l'ai pas vue entrer. C'est sûrement Linis, la fille de l'aubergiste. Mais rendez-vous compte, Gérald, c'est scandaleux. On a vendu aux enchères le vignoble de Rossel. C'est inconcevable. Tout le monde sait que le baron avait d'énormes dettes de jeu. Il ne pouvait plus reculer l'échéance. Et ses créanciers ont vendu sa propriété aux enchères. La chancellerie ducale l'a acheté, en fait. Rossel vit maintenant avec son frère à Vicovaro. J'avais dit à Rossel de se méfier. Combien de temps peut-on vivre sur ses exploits passés? Ses créanciers ont dû finir par comprendre que ses promesses ne valaient rien. C'est ainsi. Les chevaliers d'aujourd'hui font pâle figure comparés aux héros d'antan. C'est vrai ce qu'on dit. Les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos égarements. Alors comme ça, les gens pensent que la bête est un châtiment divin. Les chevaliers ont tourné le dos aux anciennes coutumes. Au lieu de défendre le duché, ils défendent aujourd'hui leur propre miche. Oh, quelle insolence! Laissez-le parler. La duchesse reprend les titres, accorde des honneurs à des canailles. Nous nous sommes écartés du chemin de la vertu, avons perdu la faveur des dieux qui nous châtient. N'écoutez pas ces inepties, Gérald. C'est ce que racontent les prêcheurs dans la rue. Oui, les fauteurs de troubles pullulent ces derniers temps, et tous proposent exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre sur la bête? À part que c'est le messager des dieux. Les habitants de Toussaint ne sont point idiots. Ils voient bien que la bête tue les jours où l'on honore les saints patrons. Un monstre clérical? Merci pour l'hospitalité. Il est temps que j'examine le corps. Corvo Bianco se trouve à deux pas d'ici, tout près de la Lys. En suivant la route, vous y arriverez assez vite. Vous ne venez pas? Je comprends. Le devoir vous appelle? En quelque sorte. Sa Majesté m'a fait un grand honneur avant même que nous ne partions pour Vélène. Cette année, je jouerai le lièvre pendant le jeu dans les jardins du palais. Quand vous me verrez costumé, vous rirez à en pleurer. Je suis bien tenté de vous poser quelques questions, mais je sens que c'est une histoire très compliquée, avec de longues digressions sur l'histoire et les traditions locales. Alors, à plus tard, Milton. Et bonne chance.
Quoi de neuf chez vous? Une douce cuite? Une culbute dans la paille? En temps normal, je vous conseillerais de goûter notre fameuse bisque du pêcheur, mais hélas, il n'y a plus d'écrevisses. Vous pourriez les remplacer par autre chose? De la perche, par exemple? Mettre du poisson à la place des écrevisses? Et pourquoi pas du vinaigre à la place du vin? Ou du persil à la place du thym? Les Nordiens ne comprennent vraiment rien à la cuisine. Je peux voir ce que vous avez en stock? Merci. Au revoir. Une douce cuite? Une culbute dans la paille? Du calme. Pas de bagarre. A été arraché par une morsure d'homme, mais un homme avec de longues roues. Les côtes enfoncées, du sang dans les oreilles, il a reçu un sacré coup. Massacré par un vampire. Mais pas un Ekim, ni un Noctule, sûrement une brousse, tué d'un seul coup. Sûrement dans la cave. De la vase. On a transporté le corps dans ce chariot. De la vase. On a transporté le corps dans ce chariot. Des empreintes. De petits pieds, nus. Elles vont vers le fond de la cave. Il est tombé dans l'escalier et s'est brisé la nuque. Rejeté contre le mur avec une grande force. Il a fallu une grande force pour casser ça. Vous, je vous ai vu à l'auberge. Je sais ce que vous êtes. Mais j'ignore pourquoi vous avez tué ces gens. Pas pour leur sang, à l'évidence.
inutile de nous battre. Vous faites erreur. Je ne peux pas vous laisser partir. Bien été découpé. Il a passé du temps dans l'eau. La tête est gonflée et en partie dévorée. Il a quelque chose dans la gorge. Une bourse remplie de pièces. Des florins de Nilgardien, de différentes provinces. Si c'est le meurtrier qui a fait ça, ça doit être une créature intelligente. Le corps a été découpé après la mort. Les coups étaient très puissants. Mais les os ont été tranchés, pas écrasés. La créature qui l'a tué avait de longues griffes, acérées comme une lame de sorceleur. Elle les a d'abord plongées dans le cœur de la victime. Ce n'est pas l'œuvre d'une Brooks. Troisième main.
Sûrement pas celle de la victime. Les gardes n'ont pas dû faire attention en ramassant les morceaux. Comment est-ce possible? Elle est encore chaude, et le sang coule. Plusieurs espèces de monstres peuvent se régénérer, mais je ne connais aucun cas de membres coupés le faisant, ou de membres semblant vivants après autant de temps. J'examinerai les tissus de près plus tard. Ça m'apprendra peut-être quelque chose. Le meurtrier était donc un monstre, mais pas une Brooks. Dans ce cas, pourquoi la Brooks est-elle venue chercher la main coupée? Et à qui appartient-elle? Pourquoi est-elle encore chaude? Par ailleurs, que signifie cette bourse qu'on lui a enfoncée dans la gorge? Et pourquoi l'a-t-on découpée en morceaux? Ça fait beaucoup de questions sans réponse. Je dois me renseigner sur les autres victimes. Je vais demander à Palmerin de m'emmener voir la Duchesse.